Ça va bien? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Céline, elle est fatiguée, donc elle va être insupportable aujourd'hui. Non, ça tombe bien, je suis toute seule. Attendez, je rentre mon bourrelet. J'essaye de sortir mes nichons, mais le bourrelet, il est aussi gros que les nichons. Écoutez, c'est comme ça quand on est gros! C'est quoi ça? Bref, on a été dans l'antre du démon. C'est qui l'antre du démon? Vous le savez, dites-le, dites-le. Je suis sûre que le fondateur de ce magasin, c'est le diable. Et c'est aussi le copain des banquiers. Ou pas, quoique si, parce que du coup, ceux qui font trop de dépenses, eh ben, ils sont en déficit. Et ceux qui sont en déficit, eh ben, généralement, ils ont des agios. Et les agios, tu payes ta banque, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Ou alors, c'est aussi un copain des avocats, parce que du coup, étant donné qu'on dépense trop chez eux, eh ben, les maris, ils peuvent demander le divorce. Je te jure, ça peut exister. On ne dit jamais, on ne dit jamais. Donc voilà, c'est qui l'antre du démon, l'antre du diable? C'est Action. Ouais, je sais, je sais. En même temps, je sais, je ne suis pas aidée. Je le sais aussi, mais bon. C'est comme ça. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Bon, déjà, ça. Ça casse pas trois pattes à un canard du tout. Sébastien, sort de ce corps. En même temps, un canard, c'est un peu trois pattes. En même temps, ça n'a peut-être pas trois pattes, mais ça lui les casse pas non plus. Même s'il en avait 4, 46, 2012. D'accord? Ouais, bon. En fait, c'est bon, mais... Mais... Ça casse pas trois pattes. Je n'en peux plus de moi. Voilà. Et ça, c'était combien, cette cochonnerie? 1,99. 1,29. Cumin, hein? J'ai appris des gaufrates, pas des gaufrages, des dice, mais des dice bordures, j'en avais pas. Et en plus, c'est la Saint-Valentin, donc je ne suis pas du tout influencée par cette fête. Mais pour faire des cartes, ça peut être pas mal. Des cartes Saint-Valentin, des cartes anniversaire, des cartes mariage, des cartes noces. Enfin voilà, ça peut être plusieurs cartes. J'ai pris des petits cœurs comme ça pour faire des bordures. Alors, ça va donner ceci. J'ai pris des autres petits cœurs. Je préfère ceux-là quand même. Qui sont quoi ça? Là. Vous voyez la bordure là? Elle est trop belle. Et j'ai pris celle-ci. Je sais pas pourquoi ça m'a fait. Je me suis dit, I believe I can fly. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que j'aime voler dans les étoiles. Je l'ai jamais fait, mais peut-être un jour, quand je serai morte, je volerai dans les étoiles. J'illuminerai vos vies. Désolée, quinte de tout oblige. Et j'ai oublié de boire un coup. Désolée, je bois la bouteille. Et oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est ma drogue. Vous allez voir que j'en ai plusieurs de drogues. Ensuite, j'ai repris una pochette. Vous savez, c'est celle que je vous avais dit. J'ai la blanche avec les feuilles vertes. Que j'aime beaucoup. C'est toujours à côté de mon lit qui n'est toujours pas rangé et qui ne sert toujours à rien, mais que j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est la Love. Et vous allez où là? Et vous avez cru que vous étiez où pour partir coucher? Vous ça va pas, vous. 1,99€. Et je vous ai dit, ça peut servir à pas mal de choses, notamment dans votre. Je sais pas pourquoi je garde cette idée en tête. Peut-être parce que j'ai toujours des sacs démesurés. Mais dans votre sac à main. Hé, hey, arrête! Je réponds, hein! Je vais m'ouvrir, hein? Stop it now! Pour mettre dans le sac à main. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va encore glisser, saloperie. Où vous pouvez mettre, par exemple, une pochette avec vos papiers importants, tels que carte vitale, carte... Peut-être pas la carte bleue. Parce qu'on cherche trop longtemps. Mais la carte vitale, les papiers du médecin, vous voyez, les papiers médicaux, par exemple, quand vous avez un rendez-vous, hop, vous savez que vous prenez cette pochette-là, vous la mettez dans votre sac, vous savez que vous avez tout dedans. Vos papiers d'identité aussi, ça peut être bien. Avec le livret de famille, la carte d'identité, peut-être aussi le permis de conduire. Ça, c'est des choses qu'on doit toujours avoir et qu'on doit savoir où ça se trouve. Donc, il y en a quatre sortes de comme ça. Donc, il y en a une rose, il y a la blanche avec les feuilles vertes, il y a celle-ci. Et il y a aussi la... Je crois qu'il y en a une toute verte, si mes souvenirs sont bons. Je crois l'avoir dans mon esprit.
Ouais, je crois. Et en fait, voilà, vous en prenez une pour chaque chose. Et franchement, ça peut être bien. Après, on n'en a pas besoin de 50 millions. Mais je veux dire, vous en prenez une pour. Tu vas arrêter de me dire. C'est quoi ça? Non, mais franchement. Admettons, c'est la première que j'ai prise. Vous mettez vos papiers médicaux, vous rangez ça dans votre armoire, tac. Vous savez que vous devez prendre ça pour aller chez le médecin. Vous prenez celle-ci, par exemple, si vous avez un rendez-vous coquin, vous mettez des capotes. Un string de rechange. Un petit outil pour vous faire plaisir. C'est assez grand, hein, ça prend tout ça. Hein. Ouais. Sauf si vous prenez un démesuré. Là, je peux rien y faire pour vous, hein. Bref. Mais voilà, je trouve que ça peut être très bien. Les papiers d'identité, vous savez quelle pochette vous prenez, donc papier important comme je vous ai dit. Ou alors juste un fourre-tout pour mettre dans votre sac. Et ben hop, vous voulez quelque chose pour tout fourrer. Stylo, pansement. Alors stylo, pansement, cachet. un petit calepin ou des choses comme ça. Voilà. Au moins vous compartimentez et ça c'est très bien. D'identifrice pour les enfants. Alors il y avait saveur fraise, mais pour les 0 à 5 ans. Moi ils sont trop grands et de toute façon je veux qu'ils fassent autre chose parce que je vais pas m'amuser à toujours chercher que celui à la fraise. Clairement pas, j'ai pas envie. Et du coup j'ai pris le 6-9 ans et c'est à la menthe douce. Il dit que ça tourne au bleu quand on brosse ses dents, que ça protège un maximum les cavités dentaires avec 4 fois plus l'émail dentaire, 4 fois plus forte. Voilà. Et ça, j'ai payé 95 centimes. Donc, ça va être utilisé dès ce soir. J'ai repris du sel rose d'Himalaya. Mais vient-il d'Himalaya? Sky, ça suffit, s'il te plaît. Il vient de l'Himalaya de l'Amsterdam. C'est pas une connerie, hein? C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dessus comme le port salut. Mais les spécificités. Alors, ils disent qu'il y a 100% de sel rose. Ça peut contenir des traces de céréales contenant du gluten, du céleri, des graines de sésame, du soja, du sulfite et de la moutarde. Et c'est non iodé. Est-ce que ça a une... Après, je pense qu'il y a des personnes qui sont intolérantes à l'iode ou alors qui ne peuvent pas prendre d'iode, qui sont allergiques peut-être. Donc, du coup, chez le Rose Himalaya... Regardez les prix au kilo, vous allez voir, vous allez dire, mais ouais, quand même. Je crois que celui-ci, il revenait à 10 euros le kilo et l'autre, il revenait à 13 euros le kilo. La seule chose qui change, c'est le packaging, un bouchon rouge. C'est tout. Donc ça, je l'ai payé 1,49 €. Et sur le ticket de caisse, il y a écrit, c'est l'Himalaya Moulin. C'est un moulin? Je n'avais même pas regardé si c'était un moulin ou pas. Ouais. Et en plus de ça, l'autre, il ne se dévisse pas. Donc, si vous ne voulez pas garder ce packaging-là, eh ben, du coup, vous pouvez le dévisser pour mettre votre packaging à vous. Ou alors, si vous en achetez un deuxième et qu'après, vous avez du poivre en grain, vous pouvez le dévisser et mettre votre poivre en grain dessus. Vous avez juste à enlever ça, là. Eh, trop bien, en fait! You take all the magic, magic. Voilà. Moi, je suis contente. J'ai retrouvé mon sel. Ma drogue. Je sais pas si vous l'entendez, mais en fait, il y a un grincement. C'est pas grave. Ma drogue, c'est de la boisson énergisante, mais à la mangue. Ils en avaient plus pendant un moment. À la passion, pardon. Et franchement, elle est trop bonne, celle-là. Ma préférée. Oui, je suis pas encore assez énervée. Je le sais. J'ai repris ça. Vous savez... Bibi, ici présente, a encore pété son téléphone avec lequel elle filme. Elle a fait une demande. Alors, ça, la demande, je vous en parlerai en vlog si j'y pense. Parce que j'ai aussi une demande de poisson rouge. Et bref, pour réparer son téléphone. Et du coup, j'ai dit quand il sera réparé, ça. J'en ai déjà acheté un, mais du coup, j'en ai acheté un deuxième. Il était à 79 centimes de base. Il est à 99. Mais étant donné que c'est pour moi de la semaine, voilà. J'ai pris un noir parce que la première fois que j'ai pris un rose, il était dégueulasse en 2 secondes 5. Il y a des blancs, il y a même des oranges, des violets. Enfin, voilà, il y a toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs, n'exagérons pas, mais voilà. Ça, vous le mettez dans la coque. C'est mignon. Vous le mettez dans la coque, en fait, et puis vous prenez ça. Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois quand je l'avais la première fois. Du coup, j'ai dit, je reprends. Oh, oui. Quelque chose d'utile. Si du moins pour me nourrir, essayez. J'ai pris des graines de eggplant.
Les eggplants, ce sont les aubergines. En espérant qu'un jour, j'arrive à faire pousser ces saloperies d'aubergines. Parce qu'à chaque fois que j'en mets, j'ai pas d'aubergines. Si. Sur 3 ou 4 ans, je ne sais plus combien d'années j'en fais. Sur 3 plants, j'ai eu 2 aubergines. Comme ça. Pas comme ça. Enfin, 2, on peut compter par rapport aux phalanges. Mais on va. Quoi qu'il y en a 3. Je me désespère. Je sais. 2 aubergines. Et les aubergines, c'est vif, hein, elle dit des couilles, ça. Donc, franchement, pour faire une moussaka, c'est pas. Super cool, j'ai des frissons. 39 centimes! Ensuite, j'ai pris des piles. Fallait pas que j'oublie. Parce que si vous avez vu dans une ancienne vidéo, dans une vidéo action précédente, ils vont en avoir tout plein. Bon, l'état actuel des choses ne me permet pas de faire des économies chez Action parce que j'y suis très très souvent. Très. Trop. Bref. J'ai acheté des loupiottes pour mettre dans mes escaliers. Comme ça, quand ils descendent de faire pipi, ils me réveillent pas en me mettant le flash dans la tronche, tu vois. Et puis j'ai dit, il faut pas que j'oublie. Comment je vais ou pas oublier qu'il me faut 3 fois A. Et en fait, quand je l'ai fait, il y avait trop de A. Alors j'ai dit, ah ouais, non, j'oublierai pas. Et toute la matinée, j'ai comme ça. Ouais. Faut pas chercher midi à 14h. Faut vraiment pas chercher. Elle est pas nette, cette neuf. Donc j'ai pris des A. Toi aussi, t'as dit ouf, ouf, ouf. Bref. 2,30€. Ça, j'ai repris pour monsieur. 3,99€. Ce sont des puzzles en 3D. Mais en mouvement. Il y a un mécanisme de mouvement dedans. J'ai déjà acheté le papillon. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Mais je crois que le papillon, je vais le ramener parce qu'il n'est pas si joli que ça. Et celui-là, il va s'en servir pour mettre dans... Certainement dans un de ces trucs de Noël. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'à la période de Noël, on fait un petit village. Enfin, mon mari fait un petit village. C'est sa merde, c'est pas la mienne. Ça prend trop de la poussière. Et j'aime pas faire la poussière. Donc du coup, il s'amuse à faire ça. Et là, je me suis dit, bah en fait, ça pourrait le faire s'il mettait, vous savez, s'il met un peu de neige dessus ou quoi, ça peut le faire, grave. Hein. Puis il n'est pas obligé de mettre ce Craft & Co. Là. Donc voilà, je lui ai dit, ça t'intéresse? Il m'a dit, ah ouais, et ben du coup, je lui ai pris. Donc voilà, 3,99€. J'ai repris ça, me demandez pas pourquoi j'en ai encore acheté. Ben si, déjà, pourquoi j'en ai encore acheté? Parce que j'en ai plus. Mais ne me demandez pas où est-ce qu'ils vont. Je ne sais pas. Les enfants, ils viennent, ils les prennent. I don't know. Et quand on leur pose la question, où sont mes élastiques? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu les utilises et tu sais pas. Ben vraiment, moi, je sais pas. Alors, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ben, eux, ils ont la mémoire d'un demi-poisson rouge. Bref, du coup voilà, moi c'est mes élastiques pour les cheveux fins, ça tient très très bien, j'ai tellement pas beaucoup de cheveux sur le caillou. Vous voyez pas bien, mais si je le prends, je vous aime encore. Il n'y a pas beaucoup de cheveux sur le caillou. Donc ça tient très bien. 1,79€, alors ça, ça a vraiment bien augmenté parce qu'on est bientôt dans les 2€. Moi je les ai achetés au tout départ, c'était 99 centimes, c'est passé à 1,19€ et maintenant c'est à 1,79€. J'hésite. Je vais les taper. Je vais les taper. Ils ont pris mon sugar daddy. Je vais les taper. Je vais les taper. En plus de ça, je vais le cacher. Je vais le cacher. Bref. On revient à nos moutons. J'ai rien d'autre. J'ai plus que ces deux trucs-là. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Je vous dis. J'en ai quand même une déjà pour 33 balles. Mais après, j'ai deux choses qui coûtent un peu plus cher que les autres. Je vous montre quoi. Allez. Ça d'abord. Je sais, il a été en promotion de la semaine dernière et tout ça. Il était à 8,99€. J'ai pas fait des petits. Enfin, après, il n'y a pas de petites économies, mais j'ai pas fait une grosse économie non plus. J'ai payé 9,99€ aujourd'hui. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu un avis des promotions de la semaine de chez Action. Mais après, voilà, plus le prix est petit, moins vous verrez de différence. Regardez ça, là-bas. Hey. Je vais vous défoncer. Vous n'aimez pas les menaces, je vais vous menacer quand même. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, t'as dit, je m'inquiète peut-être.
que ça vous empêchera de tomber. Donc, pour vous donner un exemple, ceci, à la base, c'est 99 centimes. Du coup, vous ne payez que 79 centimes. Vous allez économiser 20 centimes. Ici, à la base, c'est 9,99. Et je crois qu'ils l'ont acheté à 8,99. Vous économisez 1 euro. Je ne sais pas combien ça fait en pourcentage. Voilà, si vous voulez vous faire une idée. On verra, tiens. Eh, tiens, on va calculer. Mais je crois que du coup, ça fait 20%. Parce que si on arrondit à 1 euro, le truc comme ça. Si on arrondit à 1 euro. 1 euro, c'est le prix global. Et si on baisse de 20%, ça nous fait 80 centimes. Donc ouais, ça doit être ça. Ça fait une baisse de 20%. Voilà. Vous économisez 20%. Bref. C'est quoi? C'est la punch board. Letter punch board. 27 pièces. 27 pieces. Yeah. C'est pour quoi faire? En fait, c'est pour découper, comme ça, des lettres, hein, tout simplement. Et pour venir faire des cartes, pour... Enfin, voilà, vous pouvez faire plusieurs choses créatives avec. Vous avez une petite règle, vous avez une manivelle. Enfin, voilà, je trouve qu'elle est quand même complète. Et puis, vous pouvez autant les utiliser avec la machine que sans la machine. Après, les gens que j'ai regardés sur Internet qui en parlaient, elles disaient qu'elle était très bien. Et ce genre de choses, je ne dis pas que ça existe, hein, que ça doit exister, mais ce genre de choses sur les sites d'art créatif, ça coûte une blinde. La Massico, après voilà, Massico c'est encore autre chose, mais pour vous donner un ordre de prix, le papier. Le papier qu'on achète chez Action, là, les grands formats 30 par 30, vous payez ça 2,78€ maximum ou alors 3,64€ maximum, quelque chose comme ça. Et vous avez du papier. Et ben après, je comprends hein, le pourquoi du comment, je vous dirai après. Sur les autres 6 sites, ça va facilement. Déjà, ça démarre à 8€ et vous pouvez monter très très haut dans les tarifs. Je comprends un petit peu. Parce que il y a certains papiers, ce sont des designers qui l'ont fait. Et du coup, ce sera des designers indépendants. C'est en collaboration avec telle personne ou telle personne qui est très connue pour ses motifs. Donc voilà, je comprends. Mais enfin voilà, quoi, pour moi, mon activité, j'en ai pas besoin d'autant. Donc, c'est tout. Mais du coup, voilà, je me la suis procurée. On verra bien ce que je ferai avec. Je me suis dit pourquoi passer à côté. C'est pas bien en fait comment je réagis. J'ai une prise de conscience. Oh. Mais je changerai pas. Peut-être un jour, on sait jamais. Et le dernier, c'est ça. Je sais. Je sais, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez déjà vu passer, si mes souvenirs sont bons, en fin d'année dernière, vers le mois de septembre-octobre, quelque chose comme ça, parce que je l'avais prise avec moi, mais oui, c'est ça, c'est au mois d'octobre, parce que je crois que je l'ai acheté quand je suis venue visiter la Gironde, avant d'y venir vivre. Donc ça fait pas longtemps. Mais elle est dans mes cartons. Du coup, ça m'embête. Et ça m'embête parce que j'ai ma tête coupée là. Elle est dans mes cartons. Et vu qu'elle est dans mes cartons, je peux pas m'en servir parce qu'elle est immergée dans des cartons où je ne sais pas où, comment, quoi, qu'est-ce. Et moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour faire ma broderie en 18 CT. J'en ai besoin. Et j'en parle justement. Allez voir mon autre chaîne pour ça. Où je parle broderie et tout ça si ça vous intéresse. Hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais... Ça me fait plaisir. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Là où je parle broderie et tout. Et quand j'entame du 18 CT, j'aime bien voir clair. D'où la loupe. Celle-ci, elle est bien. Je peux vous dire qu'elle est bien parce que je l'ai déjà essayée. Elle n'est pas chère. 4,95€, ce n'est vraiment pas cher. Vous avez... Qui me parle? Oh, Internet. Vous avez une petite lampe dessus. Voilà. Qui éclaire bien. Franchement, elle éclaire bien. La pile est fournie avec, en plus. Et comment? Elle s'accroche avec une pince. Je cherchais. Elle s'accroche avec une pince qui pince très bien aussi. Et en plus de ça, vous avez ici un petit loupiote qui fait x3. Et ça fonctionne bien. Après, je trouve que une loupe, on apprend à s'en servir.
C'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Moi, j'ai galéré au départ. Je me disais, mais attends, comment ils font les nanas pour regarder avec une loupe? C'est pas possible. Et je vois encore plus flou. Mais en fait, ça dépend. En plus de ça, moi, j'ai des lunettes. Donc, ma vision de base, elle n'est pas nette. Et avec mes lunettes, ça différencie encore avec la loupe. Je sais pas si vous comprenez. Je regarde l'heure pour les enfants. Donc, voilà. Elle est très, très bien. Et puis, oui, comme ils disent, elle est vraiment amovible à 360 degrés. Vous pouvez la mettre dans n'importe quel sens. Je vais peut-être l'ouvrir pour vous la montrer. J'ai même pas ouvert la punchboard. Alors, c'est tout à visser. Ouais, normalement, les piles, elles sont dedans. Hein. Ah non! Oh! Moi, dans mon mienne, j'avais les piles. Vous voyez, ça déjà, vous pouvez vraiment le mettre dans n'importe quel sens. Et c'est assez... ça tient bien, quoi. Est-ce que je vais vous montrer, du coup... Est-ce que j'ai acheté des piles? Ah, ah, ah. Voilà. Il n'y en faut que deux. Si vous voulez vous la procurer, profitez-en parce qu'elle est à 4,95€, donc elle n'est pas chère. Et en plus de ça, c'est la fin. Après, il n'y en aura plus parce qu'elles sont en étiquette barrée. Et je vous l'ai déjà dit, hein, quand c'est en étiquette barrée, vous voyez, ça éclaire déjà bien. Donc ça, le soir ou même la journée, hein, quand vous en avez besoin, c'est très, très intéressant. Il y a deux lumières dedans. Je m'aveugle. Vous voyez, il y en a deux. Eh. Vous voyez? Voyez l'effet grossissant? Je vous montre pas mon corps. Peut-être un nichon. Elle est à la masse, elle est à la masse, elle est à la masse. Après, au départ, moi, j'ai galéré avec ça. J'avais pas compris le système du système D. J'étais comme ça, je disais, mais vas-y, vas-y, viens, et puis elle venait pas. En fait, elle peut se presser comme ça. Mais vous aurez pas les deux côtés. Tandis qu'elle se tourne. Et là, vous avez la façon pince, comme ça, tac. Et ça aussi, c'est amovible un petit peu, vous voyez? Donc ça, c'est très bien. Voilà! Et tout se visse et tout ça, donc ça, c'est très bien. Je suis satisfaite de mes achats quand même. Pas tous utiles, mais voilà. Si, ils sont tous utiles pour moi. Pour moi. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas fait si vous le désirez. Je vous accueille avec plaisir ici parmi nous, parmi moi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Si vous ne savez pas quoi mettre comme petit commentaire, je vous invite à me mettre un petit emoji arc-en-ciel parce que c'est l'emoji de la chaîne. Parce que vous êtes tous mes petits arc-en-ciel en paillettes. Ouais, parce que nous ici on va la vie avec des couleurs et de la paillette. C'est comme ça. Et puis, oh là là, ceux qui vont arriver, on dirait elle est pas nette. Je pense aussi, regardez le vlog, vous allez comprendre. Je pense aussi aux personnes qui me rencontrent pour la première fois. Ils doivent se dire, mais en fait, est-ce que je vais oser la porter ou pas? Elle est tarée ou pas celle-là en fait, en vrai? En vrai de vrai, elle est vraiment tarée. Hein. Ouais. Je vous le confirme. Pas toujours, mais je le suis. On dirait que j'ai un gros bzoz. C'est pas un bzoz, c'est du gras. C'est moelleux sur la dent. Oh là là, ça, je suis fatiguée. Je vais divaguer. Bon. Je vais vous laisser. J'espère en tout cas que tout ce que j'ai dit avant. Voilà. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.